Yorana, je m'appelle Hichano et j'ai 14 ans. Yorana, je m'appelle Tomio Alexis. Bonjour, ben moi c'est Rosalie Tahiata et j'ai grandi ici sur Fakarava, je suis d'ici. Je suis fière de ceux qui sont du groupe qui est venu ici pour faire des études et c'est grâce à eux qu'on s'est rendu compte combien notre île est beau, hein, le spot ici à Titamanu. On ne réalise pas combien chez nous ça y a de la valeur, on va dire ça. Avant qu'il y avait moins de requins, hein, c'était pas comme ça. Hein. On va dire que c'était vide en gros. C'est quand même dangereux pour ceux d'ici, comme nous. Quand nous avons envie de pêcher, ben c'est presque impossible. Il faut aller un peu plus loin à cause de ce qu'il y a, à cause du banc de requins qu'il y a ici. Je suis ici pour copraculture. Ben, le copra, c'est de réunir un maximum de cocos, couper, sécher. Et voilà, une fois séché, on envoie l'huilerie de Tahiti. Bon, ça te fait un peu d'argent de poche. Je m'appelle Imana, je suis de Fakarava. J'ai toujours rêvé d'aller voir les requins et je vais enfin y aller. C'était carrément bien. C'est la première fois que je descends à cette profondeur-là de 25 mètres. Ça me donne envie de retourner plonger encore. On m'a souvent demandé qu'est-ce que tu ressens quand la personne que tu es